ce tuto gaming aujourd'hui, je vais faire une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment jouer aux émulateurs DS Drastique. Donc déjà il faut aller télécharger une application qui est gratuite, elle s'appelle 4 charades, où vous devez vous connecter seulement avec un compte, avec votre compte, enfin n'importe lequel. Et là vous devez voilà, ici donc aller sur la petite loupe, mettre appli. Donc une fois ici, vous avez de mettre Drastic Mode, vous écrivez ça. Et donc là ici normalement vous avez Drastic Pato Mode APK. Moi je l'ai déjà. Donc voilà, c'est celle-là. C'est celle-ci qui est en rouge. Donc voilà, c'est celle-ci. Donc une fois que vous l'avez téléchargée, donc vous n'aurez pas de jeu. Logiquement. Alors, après, il vous faudra aller sur France Émulateur. Marqué sur Chrome ou sur Internet. Après, vous devrez mettre France ici, émulateur. Voilà. Donc, après, là, ça va vous mettre plusieurs jeux. Bah, je sais pas vraiment quoi prendre. Alors, non, pourquoi pas ce Power Rangers? Je m'en souviens, je l'avais sur DS. Je m'amusais pas mal dessus. Enfin, il était vraiment bien. Donc, une fois que vous cliquez, vous recliquez quand c'est comme ça. Bah, ça c'est disponible normalement que pour certains jeux. Ça vous faire ça, mais sinon vous devez seulement cliquer. Donc vous normalement si j'ai oublié de vous dire, l'application mais qui est gratuite, prendre celle-ci, elle prend 2,71 mots, elle s'appelle Z Archive, je rappelle, je trouve gratuite. Alors une fois ici, vous devez aller dans vos download, dans le fichier download, le fichier de Power Rangers Super Legend Ra, on va faire extraire ici. Voilà. Voilà. Donc vous devez vous rendre dans Drastic. Le new game. Donc ici. Et normalement, si on trouve le jeu. Donc voilà, on a notre jeu, voilà, Power Rangers. Donc voilà, après il y a quelques mods ici aussi, si vous voulez, vous pouvez mettre les cheats et tout, mais bon, je vais le faire. Donc voilà, c'était le tuto comment jouer sur émulateur DS. Bye tout le monde, et n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Bye tout le monde.